bonsoir Angélique. Ouh là là, il y a un monde fou ce soir à Rennes. Impossible de se garer. Moi perso, je t'avais dit de pas venir à Notre-Dame. Trop de clients. En plus, il y a la quête, mais le parking est payant. Bon, ok, il est chauffé, c'est pas comme cette église. J'espère que le dîner sera à la hauteur de l'effort demandé par belle maman. Allez, fais la paix dans ton cœur, ce soir c'est Noël. J'ai croisé les archanges Michel, Gabriel et Raphaël sur leur 31. Ah, allez, pas le temps de te parler, on file la tire-d'aile. Ce soir, on a un anniversaire. Attends, c'est pas la fête du 31, on est le 24 au soir. Oui, c'est vrai, Angelo, mais c'est une façon de parler. Ce soir, c'est un soir particulier. Tu sais, ils étaient tout drôles, les archanges, avec leurs ailes de pipette et leurs nœuds papillons tout droit sortis de chez H&M. Ah oui, ce soir, c'est le dîner de l'année. Foie gras, huîtres de cancale, chapon de genzé, bûche à la crème, farandole de dessert et comme d'habitude, le gâteau de belle-maman qui va perturber mon cholestérol. Miam miam, on va s'en mettre plein les ailes ce soir. J'espère que le curé ne sera pas trop long. Bon, écoute, Angelo, fais un effort. Ce soir, c'est la belle nuit de Noël, la sainte nuit de Noël. Tu sais, ce soir de l'année où on se rappelle la venue de Dieu sur terre. Jusqu'à présent, il avait recours à des anges et à des archanges pour se manifester aux hommes. Mais maintenant, c'est lui le Messie, l'Emmanuel Jésus-Christ. C'est Dieu qui vient parmi nous, c'est génial, non? En tout cas, moi, je like Jésus pour une soirée au KLM. Ne sois pas trop angélique. Te rends-tu compte de tous les drames de notre monde? Les guerres, les attentats, les famines, les maladies, les mauvaises nouvelles, amicales et familiales. Non, moi je suis en grève d'espérance. Mon espérance, c'est le chapon de bonne maman et le traîneau du Père Noël. Oui, tu as raison. Nous sommes tous ici ce soir avec nos vies, nos soucis, nos inquiétudes pour le présent et l'avenir. Mais ce soir, c'est la nuit de l'espérance et de la confiance, de la douceur et de l'amour. Regarde, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il vient pour nous aider, nous accompagner, nous conforter, nous consoler et nous encourager. Il vient pour nous aimer. Ce soir, c'est la nuit de l'amour et de la paix, la nuit de la consolation et de la réconciliation. Prépare-toi, quand il passera, on se fera un mannequin challenge devant la crèche. On ne sait jamais, les humains pourraient croire à notre existence. Thank you.
Alors Noël, on le fête chaque année. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous Noël ? C'est difficile de se détacher de tout le matériel, de toutes les préparations, de tous les préparatifs. Et on s'est vraiment demandé, Noël, c'est quoi ? Comment on va faire pour accueillir Jésus cette année ? Et on a demandé à Paul et Camille de venir nous témoigner de comment ils ont vécu, eux, leur Noël en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Donc on est Paul et Camille. On est parti 2 ans en coopération avec la délégation catholique pour la coopération en Côte d'Ivoire entre 2018 et 2020. Et on vient de rentrer en France. On va vous raconter comment est-ce qu'on a lamentablement échoué à ramener l'esprit de Noël en Afrique. Comment notre plan pour recréer la magie de ce qu'on vit habituellement a raté. Voilà. Alors il y a eu la première année. La première année, on est arrivé en novembre en Côte d'Ivoire. Donc le temps de découvrir les lieux, le climat, la nourriture, tout ça, on était déjà arrivé à Noël. Donc déjà, on n'avait pas eu le temps de se préparer. Mais notre famille nous avait quand même prévu plein de petites choses pour recréer Noël, comme nous on l'imagine. Donc on avait dans nos valises des conserves de foie gras, des guirlandes, tous ces petits détails où on a l'impression que pour nous ça fait Noël. Une playlist de Noël. Et puis le soir du 24, on s'est retrouvés tous les deux tout seuls, chez nous. On ne connaissait pas grand monde. On n'avait pas du tout l'impression d'être à Noël parce qu'il faisait 35 degrés. C'est la période la plus chaude en Côte d'Ivoire et du coup on était complètement perdus. Il n'y a pas de neige à Noël, il y a une pluie de poussière jaune qui vient du Sahara qu'on appelle l'Harmattan. C'est pas vraiment l'esprit de Noël qu'on connaît ici. Ça fait des fois ambiance un peu fin du monde le soir. Et c'est pas du tout une fête familiale. Et le soir on s'est quand même mis notre petite cheminée sur l'ordinateur, nos chants de Noël. Et en fait on se sentait pas quand même Noël, on se sentait juste tous les deux un peu perdus loin de chez nous. Et puis surtout, on a découvert aussi qu'il n'y avait pas toute la préparation qu'on peut vivre ici. Nous, on ne l'avait pas vécu là-bas parce qu'on n'avait pas les codes. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'on n'avait pas les codes pour la comprendre là-bas à ce moment-là. Voilà, on savait que ça allait être complètement différent, mais on s'était dit qu'en fait, on avait anticipé en ramenant nos guirlandes, en ramenant nos bonnes conserves, et que ça allait suffire à recréer l'esprit de Noël. On s'était dit, avec un peu d'ambiance, on se sentirait à la maison. Et en fait, on est passé complètement à côté de Noël. On s'est vraiment senti un peu seul, un peu bête. À tel point que j'avais préparé quelques toasts de foie gras, de saucisses sèches, mais t'as dit, je vais aller proposer ça aux voisins, on va tous marquer le coup. Et puis eux, ils ont pensé que je leur amenais un plat comme d'habitude, comme on faisait de temps en temps nos petits échanges. Alors ils sont revenus me voir le lendemain en me disant « Dis donc, c'était sympa, tu pourrais pas nous en refaire la semaine prochaine ?» On avait vidé nos réserves pour l'année. Mais... Et puis il y a eu, heureusement pour nous, il y a eu un deuxième Noël, puisqu'on est resté une deuxième année, et qu'on a vécu complètement différemment. Ce qui a changé, et là on a redécouvert que finalement Noël, on le vivait d'abord en nous, c'est que déjà on a pu se préparer à Noël. On a eu ce temps vraiment de l'Avent où on a pu préparer avec ceux qui nous entouraient, avec la communauté de l'Arche de Boaké, avec qui on était beaucoup, vraiment anticiper ce temps de fête, ce temps de Noël. Ce coup-ci, on savait comment les Ivoiriens font la fête, donc on avait compris ce qu'il fallait préparer avec eux. Et on attendait aussi, il se trouve là, notre famille. Et du coup, ça a été vraiment une attente dans l'impatience de ce temps de Noël et qui s'est soldé par un 24 au soir où on s'est retrouvés par surprise à danser sur du zouglou avec du poulet braisé. Et c'était un des plus beaux Noëls qu'on ait vécu et qui nous a marqué. Et pourtant, il n'y avait pas neige, on n'avait pas froid. Mais Jésus, il était avec nous. On n'avait pas de conserve de foie gras. On n'avait rien du tout. Mais on avait la joie de Noël et surtout la joie de le partager avec la communauté de l'Arche. Ouais, et c'est là qu'on s'est rendu compte que en fait, Noël, c'était pas l'ambiance qu'on aurait pu recréer. Noël, c'est pas une ambiance finalement, c'est un état d'esprit, un état du cœur, et c'est une attente qu'on creuse en soi, et puis qu'on creuse avec d'autres aussi. Et du coup, le fait de l'avoir vécu en communauté, dans l'attente de cet événement auquel on ne peut pas finalement se préparer, on a beau faire tout ce qu'on peut,
Et bah ça a été cette fois-ci le vrai esprit de Noël, et voilà, c'était vraiment un grand bonheur. Donc c'est ça qu'on voulait vous partager ce soir. Merci Seigneur de venir du coup nous rejoindre à chaque Noël et nous rejoindre au plus profond de nous et nous permettre de partager ça avec ceux qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les anges Sous étoiles, offrons-lui le temps.
Alors, vous savez, Noël, et vous le savez bien, c'est souvent une histoire de sapin, une histoire de fête, de lumière, de magasin. Alors, je vous ai apporté avec moi un sapin vivant. Enfin, normalement, il devrait être vivant. Et... Oui, c'est un peu ça, Noël, pour nous. C'est un peu des choses un peu, peut-être chimiques, peut-être artificielles. Bon, on va lui dire maintenant, pour laisser peut-être résonner en nous la parole de Dieu, la parole de Noël. Noël, c'est une histoire de naissance, c'est un anniversaire. On aime les anniversaires, surtout moi j'aime les gâteaux d'anniversaire. Et le gâteau d'anniversaire de Jésus a plus de 2000 bougies. Il est énorme ce gâteau d'anniversaire. Et chaque année, nous sommes au rendez-vous de l'anniversaire de la naissance de Jésus. Mais cette naissance a quelque chose de très particulier. Cette naissance, c'est la venue de Dieu dans notre humanité. Dieu a eu pour premier mot, vous savez ce qu'a dit Dieu pour sauver le monde, comme premier mot, le cri d'un enfant qui naît. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu a partagé notre vie. Et c'est ça le mystère de Noël. Si nous venons à cette célébration, nous sommes derrière notre écran et c'est pour faire mémoire de cet anniversaire, de cette venue de Jésus. Mais cette chose extraordinaire, c'est qu'il n'a pas fait que passer comme tous ceux qui nous ont précédés depuis 2000 ans et qui sont maintenant dans la maison du Père. Le Christ est encore là. Il est avec nous. Alors c'est vrai, cette histoire a plutôt mal commencé, cette naissance de ce pauvre Jésus, ce jeune couple qui vient tout juste de se marier. Ils arrivent à Bethléem, c'est le couvre-feu, tout le monde est confiné, il n'y a pas de place pour eux. Alors il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui va les accueillir. Pour moi, c'est un peu le ravi de la crèche. Vous savez, celui qui a les mains comme ça. Dans la joie, il les accueille. Il leur trouve un petit lieu, sans doute une étable. On dit que Jésus a été déposé dans une mangeoire, lui qui se fera manger dans l'Eucharistie. Jésus est né là, entouré de personnages importants, l'âne et le bœuf. Vous allez rire, mais un jour, en priant devant une crèche, j'ai vu un jeune papa arriver avec sa petite fille et il lui explique la crèche. Et pour commencer, il commence par l'âne et le bœuf. Peut-être qu'il ne connaissait pas encore Marie et Joseph. Et ça a du sens, car c'est toute l'humanité, c'est toute la terre qui accueille Dieu et qui réchauffe ce petit bébé pour l'aider à vivre, pour l'aider à survivre. On n'a pas de nouvelles de la famille de Jésus. Marie est seule avec Joseph. Il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de connexion Wi-Fi, de 5G, que sais-je. Et ce sont les plus pauvres qui vont venir le voir, les bergers du coin, qui vont sans doute apporter quelques affaires pour aider ce jeune couple. Mais il y aura aussi des étrangers, des gens très riches qu'on appelle les mages, les fameux rois mages. Mais très vite, cette histoire va mal se poursuivre. On va vouloir tuer Jésus. Alors Joseph, avec courage, va emporter Marie avec Jésus et ils vont fuir en Égypte. C'est un peu un échec, peut-être. Parce que Dieu avait sauvé le peuple élu. Souvenez-vous, avec Moïse, ils avaient quitté l'Égypte pour être sauvés, pour aller en terre promise. Et voilà que Dieu apparaît en terre promise et il faut fuir vers l'Égypte. La boucle est bouclée. Est-ce un échec? Ah non, il en faut plus pour le Seigneur. Là, Dieu a décidé, je vais les sauver, je vais sauver ce que j'ai créé, l'homme et la femme. Jésus va avoir cette réalité incroyable de cette présence sur terre pour nous sauver. Et pendant une trentaine d'années, ils vont vivre en silence à Nazareth. Et puis, la suite de l'histoire, nous la connaissons. 3 années de vie publique, une arrestation, une condamnation, une crucifixion et une résurrection. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est parce que Jésus est né, il a vécu,
Il est mort, il est ressuscité et aujourd'hui, il est présent dans la crèche personnelle de chacun. Dans vos crèches à la maison, tout à l'heure, vous avez déposé Jésus dans vos crèches, mais cette crèche, c'est notre cœur. Et Jésus est là. Et il nous redit combien il nous aime. Il n'a pas besoin de mots pour nous parler. Le cri d'un enfant nous fait fondre dans notre amour pour les autres, dans notre amour pour Dieu. Et c'est tout ça qui fait que nous sommes là ce soir. Alors Seigneur, ce soir, nous te demandons cette grâce toute particulière de la nuit de Noël. La grâce de la joie. La joie d'une naissance. La joie d'une renaissance pour nous peut-être. Nous sommes pris par nos difficultés, le confinement, l'inquiétude économique, la maladie, la souffrance. Nous sommes pris aussi par toutes ces joies de Noël, ce repas à préparer, ces gens que nous allons rencontrer, mais peut-être aussi une forme de solitude pour nous. Et Seigneur, nous croyons que tu es là, que tu es à nos côtés, que tu es réellement présent. Alors ce soir, notre cœur, qui est notre crèche intérieure, veut t'accueillir de nouveau. Pour fêter cet anniversaire, pour souffler ces bougies avec toi, Jésus. Nous voulons faire la fête avec toi. Fêter ton anniversaire, c'est accepter que tu sois vivant dans nos vies. Et qu'à l'image de ta vie, il y ait aussi dans nos vies des difficultés, des souffrances, mais aussi plein de belles choses. Alors en cette nuit de Noël, Seigneur, nous te demandons, viens, viens Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, viens dans notre cœur, dans notre vie, dans nos familles, dans nos communautés, viens dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, tous les continents. Mais d'abord Seigneur, viens en mon cœur, personnellement. Ah oui, merci Jésus. Merci de te révéler à moi. Amen.
Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir prié avec nous pour cette veillée de Noël. On est heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous, d'avoir pu accueillir Jésus dans notre